Moi, quand j'étais pas née, mon père, il faisait de la musique underground. Puis après, j'ai dit, c'est quoi ça veut dire, underground? Là, mon père, il a dit, ça veut dire en dessous de la terre. Mais ça veut pas vraiment dire en dessous de la terre, il a dit. Il a dit, ça veut dire en dessous du système de ceux qui nous contrôlent. Après, j'ai dit, ah, mais c'est ça qu'il faut faire, de l'argent underground. Là, je l'ai dit à quelqu'un, il dit, ça existe déjà, il dit. Il dit, parce qu'il y a un système, là, t'arrives, t'es, au lieu d'échanger de l'argent, t'échanges du temps. Comme par exemple, moi, je donne 3 heures dans un service, ça me donne 3 heures de temps. Parce qu'il dit, le temps, c'est de l'argent, il dit. Mais il dit, moi, si je te donne 3 heures de service, ça veut pas dire que moi, je veux ton service, il dit. Donc, ça va dans une banque, comme c'est tout comptabilisé, c'est combien de temps j'ai donné. Là, c'est comptabilisé combien j'ai de temps. Puis après, je peux faire une autre chose dans un autre service. Puis le service, lui, quand j'y vais, lui, ça lui donne du temps au lieu de donner de l'argent. Comme par exemple, si je m'en vais me faire faire un massage pendant 2 heures, la personne qui me fait le massage, ça lui donne 2 heures de temps. Puis ça, c'est comptabilisé. Puis après, la personne, elle peut aller comme chez le dentiste, une heure de temps. Puis tout le monde est payé pareil. Tout le monde vaut la même chose dans le système. Après, j'ai dit... Wow! C'est une bonne idée! Mais par contre, après, que j'ai dit? C'est que pour entrer dans le système, il faut toujours utiliser l'ordi. Puis quand on est dans l'ordi, ils savent toujours qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai dit, il faut inventer un système underground où on peut tout savoir c'est qui a comptabilisé quoi entre nous autres. Entre ceux qui sont pas parmi ceux qui nous contrôlent.